Je me suis dit, bon, c'est bon, on va juste dans le jardin, on reste 5 minutes et on se barre juste pour voir le château de plus près. Et finalement, on est rentré dans le château puisque la porte était ouverte. Les Actuvores, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Alors, un petit scoop, quand même. Vous avez intégré la Star Academy à votre manière. Ah oui. Mais de nuit. Oui. Illégalement. Exactement. Avec une bande d'amis. Exactement. Dont un ex-pote, ex-académicien. Ouais. Vous avez pu d'ailleurs lire les confidences sur le mur des toilettes de Grégory Lemarchal, Jennifer, Nolwenn Leroy, ouais. Élodie Frégé ou encore Olivia Ruiz. C'est quand même plutôt marrant. Ça, quoi, c'est cette ouf. Anecdote, ça, hein. C'était fou parce qu'en fait, je suis très proche de Sophie Tapie, ouais. Et la fille de Bernard, du coup, et qui sortait à l'époque avec un candidat de la Star Academy, quelqu'un qui est allé assez loin. Et un jour, on se dit, on était vers Damer et Lilis, on s'est dit, bah tiens, on va passer devant le château de la Starac. Il faisait nuit, hein, il était 21h ou 22h. Et donc, moi, rêve de gosse, je vais voir le château de la Starac en vrai, c'était mon rêve, je voulais même l'intégrer. Et au final, il s'est senti pousser des ailes, il a commencé à monter la petite palissade qu'il y avait pour rentrer dans le jardin. On l'a suivi. C'est quand même drôle. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, on va juste dans le jardin, on reste 5 minutes et on se barre juste pour voir le château de plus près. Et finalement, on est rentré dans le château puisque la porte était ouverte. Oh, et il non. restait des miroirs, il restait des choses. Il n'y avait plus de meubles, il y avait des câbles partout. Et puis dans les toilettes, il y avait ces fameux mots des anciens c'est de la Star. C'est quand même drôle, quand même, ces anecdotes-là.